Nous sommes le 13 mai 2013, il est 9h41. Ah, toujours à la gendarmerie. 9h40. Ouais, 9h40, 9h41. Hop, d'ailleurs. Hop. Voilà. Et. Alors, petit résumé. Vous aviez eu un rapport de Sophie Jansky, de sa, on va dire, de son psychiatre, grâce au lieutenant Joss. Vous avez donc un rapport psychologique de Sophie Jansky, et on peut percevoir que effectivement elle a eu quelques problèmes dans sa jeunesse. Vous vouliez faire des recherches, à savoir où se trouvaient les Bazas et les Delmas en 92-93. Et donc, vous deviez appeler Marion et Jean-Michel Delmas pour savoir où ils étaient à cette époque-là, ainsi que Lucie Bazas. Vous, le lieutenant Loire, devait appeler Jean-Michel Delmas, voilà, et puis Lucie Bazas pour savoir où il se trouvait à cette époque-là. Messali et Brochard, vous deviez aller voir le docteur Lormier puisqu'il était revenu de son petit séjour en Corse. Yes. Le capitaine Tellier devait faire des recherches sur les réseaux sociaux sur Vanier et Ménard. Mm-hmm. Et le lieutenant Joss devait aller voir le magnétiseur qui s'appelle Thomas Vanier. Oui. Vous aviez appelé Thomas Vanier et Ménard. Ménard, apparemment, il avait un petit accent belge, et vous avez appris qu'il était traducteur et que Vanier aussi, il avait, tombé sur son répondeur et vous étiez tombé sur son répondeur de messagerie, comme quoi il était magnétiseur. Donc vous avez pu récupérer effectivement des informations par rapport à eux, par rapport à leur identité et puis surtout à leur adresse, etc. Ensuite, On devait faire des recherches aussi sur la Fuego bleue. Vous avez lancé une recherche sur la Chappeur. Fuego. Chappeur. Alors Chappeur, il habite à Angers. C'est un ex. Un ex-militaire qui était au 10e régiment du génie à Nancy, mais il a quitté l'armée et il est à Angers maintenant. Ouais, on devait l'appeler. Est-ce que on avait par rapport à l'histoire de séquestration, etc. On avait cherché dans les articles de journaux, je crois, non? On avait cité. Oui. Aviez tenté de faire une recherche pour savoir quelle était cette fille qui s'appelait Rachel. Ouais. Rachel, oui. Sauf que il n'y avait pas assez de trucs. On n'avait pas assez de mots clés, quoi. Il n'y a pas assez de détails. C'est assez compliqué. D'accord. Quand tu sais qu'il y a je sais plus combien d'enlèvements en France par jour. Je me rappelle plus, je l'ai dit tout à l'heure, une centaine, je crois. Par an, non, ça doit faire énorme. Moi j'avais les chiffres. Ouais, parce que c'est ça, c'est que c'était pas très précis, jour, on n'avait pas le nom de famille, etc. C'est pour ça que. Puis on se remet aussi. On est en 2013, donc on n'a pas tous les outils informatiques. Pas les mêmes bases de données. On n'a pas les mêmes bases de données qu'actuelles. Donc c'était vraiment très compliqué. Même avec Anacrim, qui est un outil en fait qui permet de faire des recoupements en fait de meurtres, etc. À partir du moment où vous n'avez pas de nom de famille, etc., c'est hyper compliqué. Et surtout, s'il n'y a jamais eu de rapport de police de fait, ben c'est même pas la peine, quoi. Il n'y a rien du tout, quoi. Donc, il suffit que la fille, elle n'ait pas du tout eu affaire à la police. On en est parlé dans la presse, certes, mais qu'il n'y a pas eu de que de recherche que ça, bon, ouais, voilà, vous trouverez rien, quoi. Ok, ça reste une piste mieux à creuser, quoi. Ça reste une piste, mais oui, mais on voulait appeler les parents de Sophie pour savoir s'ils connaissaient déjà Sophie, bien sûr, et y avoir des éléments sur elle. On sait jamais, mais surtout Rachel, ouais, peut-être que les parents de Sophie connaissent Rachel s'ils sont vivants, parce que voilà, quoi.
Mais oui, pourquoi pas. Après, s'ils ont, s'ils sont pas vivants, on débarque chez eux et puis on les explique. Elle, on sait qu'elle vient de Roubaix à l'origine, je crois. C'est ça, ouais. Donc, il suffit de chercher les Yanski, c'est pas un nom trop courant. On a peut-être une chance de trouver la famille. Mais ça, ouais, ça peut et être... Ménard. Oui, on pensait aussi que peut-être Pierre Ménard pouvait connaître Sophie et Rachel. Ah, pourquoi c'est quoi le lien? Parce que... Parce que... Ménard, il est sur le relevé téléphonique de Sophie Yanski. Donc... Ouais, mais Rachel... Mais Rachel, pourquoi? Bah, peut-être. C'était une hypothèse. C'était une hypothèse à vérifier, quoi. D'accord. Une note que j'avais prise. Est-ce qu'il connaît Rachel? Les méandres du cerveau de Messali restent pour nous autres. Messalienne. Non, mais les parents de Sophie, ouais, ça peut être une bonne idée. C'est à condition qu'ils soient vivants. Ouais, alors, c'est pas une bonne idée pour le reste. Rapidement, vous faites une recherche sur les parents de Sophie Yanski. Ils sont décédés. Souffrance. Ouais, ah bah voilà. Ils sont décédés. Ah bah c'est malin. Ils ont été poignardés à coups de couteau, attachés et menottés sur la cuisine. Est-ce que c'est dans les années 90 Non, c'est beaucoup plus tard. Non, mais c'est pas possible ça. Moi, je vais les déterrer. Des morts naturelles. Oui. C'est pas un meurtre, c'est pas un truc de police. Non, il n'y a aucun fait divers. Ah, parce qu'on sait jamais. Après tout, c'est peut-être ça passe les premiers meurtres. Hein. On est peut-être face à un serial killeuse. Non, il n'y a pas de. Bon, les parents, ils sont morts. Les parents sont décédés. Parents morts. Ça, c'est fait. Frères et sœurs inexistants. Tant qu'on y est, il n'y avait pas de frères et sœurs reconnus. Non, fille unique. Fille unique. Voilà, comme ça. Et je cherche un truc. Hein, ouais, 92, 93, et puis... ouais, parce que sinon, c'est maigre hein, comme piste, on a juste un prénom, c'est sur le rapport du psy, donc ben, du coup, on n'a pas le rapport psychologique, effectivement, du... cauchemar, presse d'angoisse... Du docteur... Comment il s'appelait déjà le docteur Jacques Lévy, qui habite à Villeneuve-d'Ascq, donc dans le Nord. Voilà. Lieutenant Joss, tu vas me faire un jet de torche, s'il te plaît. Oui. Pour savoir si ton cerveau est allumé le lundi matin 9h40. Bah écoute, normalement. Le week-end était compliqué, hein. Non, le week-end a été très bon. Compliqué donc. Non, il était très bon. Bien ou fatigant. Merde. Il était parfait. Il était parfait. Ressourçant. Ressources, c'est bon. Ça passe. Alors... Il y a quelque chose qui, dans le rapport psychologique, est passé à côté, mais tu l'as relu plusieurs fois. Mm-hmm. C'est surtout, en fait, parce qu'elle a fugué, la petite Sophie. Oui. Et il y a un mot qui saute aux yeux. Mm. Mais que peut-être que quand tu as lu, tu n'as pas bien fait attention. Et en fait, tu t'aperçois qu'ils sont arrivés à Créon. Dans une ville qui s'appelle Créon. Oui. Qui est dans le sud de la France, près de Bordeaux. Mais ça, c'est quoi? C'est là-bas qu'elle a été séquestrée ou... Et eh bien, d'après le rapport... Elle avoir été enlevée alors qu'elle descendait vers Créon. C'est ça. Créon, c'est dans le sud de la France. D'accord. Près de Bordeaux. Ben, si vous regardez... Là, sur le plan. Alors, je vais vous mettre sur la carte de Bordeaux. Je vais vous pinguer. Ping-nous. Où c'est? Je vais mettre une petite... Bon, on ne pingue pas comme ça. Moi, je me laisse pas faire. Ici. moi, je me laisse faire, moi. Alors, sur la carte, je vous ai pas mis... Excusez-moi, je vais vous activer la carte. Voilà. Ah. Donc, je vous ai mis Villegouche, Fronsac, Dardenac, Jargon. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici, dis donc? Créon. Créon. Pardon, Créon. Qui est pas loin de tout ce petit foutoir.
Je vais vous mettre une petite. On fait comment pour voir la carte? Faut quelque chose? Non, ça s'affiche normalement. Bah, j'ai partagé à tout le monde. Elle est sur le fond d'écran. Mais peut-être que c'est mon truc là, je sais pas. Je pense que tu dois avoir des problèmes de connexion, du coup ça doit te faire un peu laguer. Alors on l'a perdu. Attends, ouais, c'est Foundry, il veut pas, il m'aime pas, je le sais, mais maintenant je le sais mieux. Ça y est, c'est bon. J'ai F6... Sur la carte. J'ai F5G. Ouais. Crayon, c'est raison. Où alors là, c'est Crayon, ah, à oui, côté de Bordeaux. Je vais vous mettre une petite. Épinglette. Petite épinglette. Petit pint. J'avais sorti la carte. Ouais, mais... Alors. Crayon. Ctrl C, Ctrl V. Mais ça pue là, si Crayon c'est là. Hein. Bah oui. Ouais, mais sauf que. On sait pas où ils étaient en 92-93, les autres. Je mets Crayon. D'accord. Oui. Merci. Alors, avant de partir sur différents lieux, aller voir le docteur Lormier, le magnétiseur, et tout les quanti, vous faites tous des recherches pour savoir où se trouvait telle personne, à tel endroit, à telle époque, etc. Rapidement, vous arrivez au bout de... Avec vos efforts en commun, vous arrivez à vous apercevoir que les Delmains... Était sur la région parisienne ainsi que les Bazas, mais que en 92 et en 93 ils étaient déjà sur la région de Bordeaux dans le sud plus ou moins, etc. Et ils étaient en vacances ou ils habitaient déjà? Non, ils ont déménagé de la région parisienne pour aller dans le du côté de la Gironde en fait, ou dans le Lot-et-Garonne. Et ensuite, et ben, ils se sont retrouvés sur la région de Bordeaux. Mais si on confirme qu'en 80... Il n'y a personne qui était à Roubaix à cette époque-là, où ce soit les Delmains ou les Bazas. Ouais, mais du coup, si Sophie elle a pu être kidnappée à Crayon, vu qu'on pensait que Delmains-Bazas, là, c'était peut-être eux les kidnappeurs des gamines et que c'était une vengeance, en fait, ça colle vachement bien avec cette hypothèse. Pour moi, ils étaient arrivés en 98, ce que j'avais noté. Les Bazas. Les Delmains. Ouais. Les Bazas sont arrivés en 2012. Largement après. Largement après, mais ils étaient déjà dans la région du D'accord. sud en fait. Ils avaient déjà avant d'arriver sur Fronsac et puis Villegouche. Ces deux familles en fait habitaient déjà dans le sud de la France. À Crayon. C'est ça que je veux dire. Non. Non. Non, à Madirac. Non, on va descendre plus dans les Landes, tu vois. Enfin, voilà, c'est... Bon, en tout cas, c'est... du coup, l'hypothèse qu'on avait envisagée serait possible que c'était une vengeance de Sophie sur eux. Parce qu'on se demandait pourquoi il les avait torturés, mais c'était peut-être ça. Hein. Ça collera avec le profil psychologique de cette chère Sophie. Elle les a retrouvés, puis vengeance. Alors, ce qui concerne les réseaux sociaux... Capitaine Tellier va fouiller un petit peu pour avoir des informations sur Ménard voilà, et Pivani. Avec méthodologie. Alors, il y a quelque chose qui te... Comment dire? En faisant tes recherches sur Ménard, Pierre Ménard, le belge, il y a quelque chose qui te titille. Tu vas me faire un jet de torche, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, on y va, capitaine. Je suis étonné qu'il sache servir de réseaux sociaux, le capitaine Tellier. C'est mon fils qui m'a appris. En jouant à Dibou. Attends, c'est toujours j'essaie de cliquer. Attends, c'est toujours pas s'il lui a offert à Dibou ou pas. Hein. Si, j'arrive pas à cliquer. Parce qu'il faut que tu choisisses la difficulté, peut-être. Ça y est. Ça marche pas comme à Dibou. Pas de dégradation, déjà, c'est bien. En faisant des recherches, tu t'aperçois rapidement que il y a beaucoup de points noirs, des trous noirs dans son parcours. T'as du mal à retrouver des informations au-delà de 2005.
Ah oui. T'as l'impression qu'il a, qu'il est né à cette époque-là, en 2005. Tu retrouves des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre, tu vois qu'il a une apparence. Il apparaît en bizarrement comme ça en 2005. Quoi. Ah oui, c'est très étonnant, c'est même suspect. Ouais. On parle de qui là ? De Ménard. De Ménard. Ah. Le traducteur belge. Les 8 dernières années sont documentées. Je suis encore tombé sur une mine. Mais son passé est un véritable trou noir. Tu ne trouves rien du tout. Mais vraiment rien, quoi. Même pas où elle a été à l'école. Même en confirmant ou en appelant des collègues belges, tu vois. Tu... Non, rien. Que dalle. Mais vraiment rien. Rien de chez rien. 2005. Encore un phonème, quoi. 2005, ouais. 2005. Ça... Comme s'il était, comme s'il avait commencé à naître en 2005, à apparaître en 2005, quoi. C'est assez étrange. Qu'est-ce que je trouve du coup comme info en 2005 ? Tu trouves en fait son parcours un peu de traducteur, etc. pour. Un CV ou genre de choses ? Ouais, voilà, c'est ça, un CV, mais c'est absolument pas détaillé en dessous de 2005, quoi. Donc il y a vraiment des gros trous noirs, que ce soit sur son CV ou son parcours professionnel. Avant, il n'y a rien. À l'âge de 26 ans, en fait. Voilà. Ouais, c'est ce que j'étais en train de calculer. Effectivement, ça remonte pas avant. Donc ça te paraît quand même super bizarre de ne pas avoir passé. Parce que bon, tu vois, le parcours scolaire, tout ça, c'est des choses qui peuvent être identifiables, etc. Même si c'est pas un français, tu peux avoir recours à des informations belges. Sauf que là, c'est pas du tout le cas. Même en téléphonant à des collègues belges, on n'a rien sur lui avant... Effectivement, ils ont les mêmes regroupements que toi, c'est-à-dire ils ont des informations à partir de 2005, mais avant, ils n'ont rien. Donc, si c'est un Belge, ils ne savent pas où il est né. Il n'y a rien du tout, quoi. D'accord. Il n'y a rien. J'arrive à retrouver quand même où il réside, où... à l'heure actuelle. Ouais, tu vois effectivement là où il réside, etc. Tu vois qu'il a apparemment il habite à Ville-Landreau, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Bizarre le nombre de personnes qui habitent ici. Hein. Alors Ville-Landreau, est-ce que je. Alors une cinquantaine de kilomètres. Voilà, Ville-Landreau, c'est ici sur la carte. Ah yes. À côté d'un. À côté d'une ville qui s'appelle Bazas. Oh, je ne sais pas, c'est bizarre. je vais vous mettre, je vais mettre aussi un petit épinglette. Hein. Moi, je sais pourquoi on n'a rien avant 2005. Parce que vous écoute. Parce que c'est le capitaine Letellier qui utilise mal sa souris et en fait, il sait pas qu'on peut scroller sur les listes de diffusion, sur les listes de déroulement. Je pense qu'il va falloir aller sur place. Hein. Rien de mieux que la constatation de visu. Vous êtes sûr, capitaine ? Je peux regarder si vous voulez. Hein. Oui, il y a un petit ascenseur sur le côté de la liste déroulante. Oh non, j'ai cliqué sur le mulot, hein, ça marche. Et il n'y a rien sur les réseaux sociaux. D'accord. Attends, je ne vais pas dire d'accord. Ah mince, je suis encore tombé sur une mine. Ah. Après, ça peut être soit une nouvelle identité, soit un légionnaire aussi, peut-être. Soit quoi ? Un légionnaire, peut-être. Alors, on avait fait des recherches, hein. On n'avait pas trouvé d'infos sur son pas militaire et tout ça. On n'avait rien trouvé. Il n'a pas de passé militaire. D'identité, en fait. Ouais, c'est pour ça que ça ressortirait une fois qu'il sortirait de la caserne. Ah, le truc sur les légionnaires, ce sera impossible à trouver. S'il est légionnaire, il n'en trouvera jamais. Hein. C'est gage de... Quand tu t'inscris à la Légion, tu t'effaces ton identité, quoi. Et ça... Ah, mais quand je dis ça, c'est pour simplifier le mastering. Ah, merci, c'est gentil. ou alors, il a été élevé dans une communauté sectaire qui interdisait d'utiliser des ordinateurs et qu'à 26 ans, il s'est émancipé et qu'il a décidé de s'acheter un ordinateur. Ah, c'est un ancien mormon, alors. C'était peut-être... Alors, je sais pas si en France, il y a beaucoup de mormons. Ils ont une école, ils ont une école à eux. quelqu'un... Tu sais, des fois, il y a des sectes où ils n'utilisent rien de technologique, quoi. Donc, peut-être que c'est ça, hein. Yes. Il a 26 ans, tout d'un coup. Oui, mais ça veut dire qu'il n'a pas été à l'école non plus, dans l'école publique. Bah, du coup, c'est normal qu'on trouve rien. Ou alors, c'est une fausse identité. Je pense plutôt pour la fausse identité. Mais,
Ah, y a plusieurs suppositions, hein, effectivement, qui sont possibles. Je vois qui est au commissariat et du coup, je vais voir qui peut m'accompagner pour aller voir le monsieur Vanier. Bah, je dois passer voir. Non, c'est moi qui vais voir monsieur Vanier. Non, pas du coup. C'est le magnétiseur. Pas Vanier, mais monsieur Ménard. Si vous voulez, capitaine, on passe voir Vanier et après, je vous accompagne. Où il habite Vanier? Je vais vous dire ça une fois que j'aurai trouvé l'information. Ouais, parce que Vanier, on sait pas. Ah, oh, bah il doit habiter à Sainte-Croix-du-Mont, sur le chemin. Non, c'est... ou Cadillac. Sur les réseaux sociaux avec Vanier, tu trouves un peu plus d'infos parce qu'il a une page Facebook concernée au magnétisme. Apparemment, c'est un coupeur de feu. Pas trop ce que c'est, mais. Oui. Voilà, c'est. Coupe-feu. Coupeur de feu ou guérisseur, voilà. Et. sur les recherches que tu as pu faire sur l'URSSAF, etc., sur Thomas Vanier, l'URSSAF l'a considéré comme magnétiseur. Son métier. Où va la France? Ouais, c'est... Je l'ai... Ah, ça, et du coup, c'est quel code NAF, oui, le magnétiseur. Ouais, je me demandais, c'était quoi Pardon, c'est remboursé par la sécu. Quoi, là, le code NAF, en fait, du magnétiseur. Ah, voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Alors, remarque, coupe-feu, ça aurait été pas mal. Alors, Thomas Vanier, il habite à Mérignac. Alors, Mérignac, c'est ici. C'est à l'ouest aussi, ouais. C'est pas loin, hein, c'est pas loin de chez vous, là. Je vais mettre encore une... Oh, mais il y a le périph' de Bordeaux à prendre. Ah, oui. Je vais conduire, de toute façon, c'est moi qui conduis. Ça change. Exactement. Mérignac, c'est là. C'est sur le profil psychologique de Sophie Jansky, c'était... Je demande ça à mes compagnons, hein, je t'embête pas, magister. C'était à quelle date qu'elle disait avoir été enlevée 92, ouais. D'accord. Et libération 93. 92-93. C'est bien Mérignac, hein, il habite bien là. Alors... Vous avez fait beaucoup de recherches avant de partir, etc. Vous avez fait beaucoup de recherches avant de partir, etc. Beaucoup de d'essayer de croiser les informations. Vous êtes renseigné. Vous avez téléphoné à Lucie Bazas, à Jean-Michel Delmin, tout ça pour avoir des informations, à savoir où étaient leurs parents à l'époque, etc. Donc, vous avez fait ça vite fait court et sans faire de roleplay, mais en fait, tout ça pour avoir des informations comme quoi ils étaient déjà dans le sud de la France. D'époque là quoi, donc sont très rapidement partis. Ils sont arrivés dans le sud de la France, mais ils sont arrivés pour certains effectivement du côté de là maintenant où ils habitaient à Villegouge ou à Fronsac. Pour certains en 98 et pour d'autres en 2000. Mais bon, Mérignac, c'est pas Jean-Michel Delmin, tout ça pour avoir des informations, à savoir où étaient leurs parents à l'époque, etc. Donc vous avez fait ça vite fait court et sans faire de roleplay, mais en fait, ça pour avoir des informations comme quoi ils étaient déjà dans le sud de la France d'époque là, quoi. Donc, ils sont très rapidement partis. Ils sont arrivés dans le sud de la France, mais ils sont arrivés pour certains, effectivement, du côté de là maintenant où ils habitaient, à Villegouge ou à Fronsac. Pour certains en 98 et pour d'autres en 2012, quoi. Donc il est effectivement 11h45 quand vous décidez de... Alors vous avez eu le commandant Mata qui est venu vous voir pour savoir où vous en étiez. Il y a le préfet sur le dos. Le préfet, lui, il a le maire, donc sur le dos. Donc voilà, ça fait poule de pétanque. Et du coup, effectivement, et de fait, vous met un peu la pression sur l'enquête, comme quoi il faudrait accélérer un minimum. Il vous demande si vous avez l'étude balistique des armes, et quand vous dites non, il est un peu... quoi ? Comment ça ? Ah bah voyez avec les autres services, hein, ouais. En question. Hein. Donc voilà, donc en gros, effectivement, la balistique, elle arrivera que dans quelques jours, voire une semaine.
Ah oui, non, mais faut aller les voir, eux. Hein. Nous, on avance. Hein. Ah, moi, j'ai pas que ça à faire, c'est à vous de le faire. Donc, en gros, il vous met la pression sur vous, comme quoi c'est à vous de gérer la balistique si vous voulez avoir des informations plus rapides. Voilà. Pas lui qui le fera, hein, ça c'est sûr et certain. C'est le chef de groupe qui va s'en occuper.